En l'an 1215, l'Angleterre était sous le règne du roi Jean depuis 16 années. Le plus infâme des monarques d'Angleterre était connu pour avoir perdu des guerres contre la France, levé des impôts totalement ahurissants et couché avec les femmes des barons. Ce qui amena les barons à se rebeller contre leur roi et s'enfermer dans une guerre civile sanglante qui dura plus de 3 ans, et décima la majorité des deux armées. Avec le temps, les Templiers étaient entrés dans le conflit. Avec l'aide de ces moines guerriers hautement entraînés, le roi Jean et son armée royale furent finalement vaincus. Il fut accordé que Jean pouvait rester sur le trône à une condition. Il devait signer un document qui garantissait les droits et les privilèges de tous les hommes libres, et qui, en définitive, limitait les pouvoirs de la monarchie. Qu'il en soit ainsi. La Grande Charte fut scellée à Runnymede le 15 juin de l'an 1215, après Jésus-Christ notre Seigneur. Ce fait est relaté dans tous les livres d'histoire. Ce qui est moins connu, c'est ce que le roi Jean fit ensuite. L'Angleterre vous souhaite la bienvenue. Est-ce que le pape tiendra parole? Il faut avoir la foi, capitaine Tiberius. Son éminence veut savoir ce qu'il en est de vous. Tiendrez-vous la vôtre? L'Église restera hors de vos terres, vous avez sa parole. Nous allons vous rendre votre terre. King John serait la terre! Thank you.
va là ? L'abbé Marcus, nous cherchons un abri pendant la tempête. Ouvrez les portes ! Qu'avez-vous à faire ici ? Nous avons affaire avec le Seigneur à Canterbury. Nous ne demandons qu'un abri. Un abri, vous l'aurez, et de la nourriture. Vous traitez bien les serviteurs du Seigneur. Vous avez l'insigne des Templiers, mais vous n'avez pas d'épée. Ces hommes n'ont plus besoin de se battre. Les Templiers cachant leur foi et voyageant sans aucune arme, comme c'est noble. Que Dieu soit notre témoin, baron. Ces hommes n'ont rien à cacher. Abbé, gardez vos bonnes paroles. Les Templiers ont combattu le roi et vous allez dormir dans l'un de ses châteaux. Ces hommes ont bien des choses à cacher. Vous là, que dites-vous ? Ils ne parlent pas. Ils ont fait vœu de silence. Des Templiers sans langue. Très bien. Repartez dès demain matin. Va à l'intérieur! Marshal, quand j'ai accepté d'accompagner des hommes qui avaient fait vœu de silence, je me suis bien sûr informé de ce qui les avait menés jusqu'à moi. Je sais que les Templiers vous ont fait porter un lourd fardeau. Je sais que vous êtes profondément marqué. La croix sur votre tunique est le symbole de votre foi en notre Seigneur. Elle ne doit pas faire partie de ces tourments qui pèsent sur votre âme. Lorsque nous arriverons à Canterbury, je demanderai qu'on vous fasse au plus vite quitter l'ordre des chevaliers du Temple. Les couleurs du roi ? Est-ce votre signature, Darnay ? On m'a forcé, Votre Altesse. Les barons ont menacé de me tuer et m'ont obligé à signer et faire preuve de trahison. Je sais ce que ça fait. Prenez-le ! Ces folies doivent cesser. Ouvrez la porte. Cette querelle ne nous concerne pas. Mais si vous vous montrez au roi, il ne fera rien d'autre que de vous faire exécuter. Quelle chance, Darnay. Vous allez avoir vos derniers sacrements. Mon roi, des Templiers. Il se rend à Canterbury avec des Templiers.
À quoi dois-je le plaisir de voir un homme d'église venir visiter mon château ? Nous étions sous la tempête. Le baron Darnay nous a offert votre hospitalité, sire. Non. Mes amis prêtres ? Ah oui, je vois. Les Templiers. Votre Altesse, nous sommes entrés dans votre château sans armes. Nous ne voulons pas nous battre. Êtes-vous au courant, l'abbé, que vos amis sont venus à Runnymede et m'ont forcé à signer la charte ? Et vous osez vous montrer sous mon toit ? Votre Altesse, nous voyageons vers Canterbury avec seulement quelques articles de foi. J'implore votre clémence afin que nous passions notre chemin. Et je ferai preuve envers vous de la même clémence que l'Église et les barons de ce pays ont montré envers moi. Ce n'est que justice. Qu'en pensez-vous, l'abbé ? Peter, Geralt. Vous avez vu le roi ? Oui, et lui aussi m'a vu. Je ne l'imaginais tout de même pas capable d'une telle cruauté. L'abbé Marcus était le meilleur des hommes. Dites-moi, pourquoi avait-il demandé que vous quittiez l'ordre ? Votre grâce, je ne tiens pas à quitter l'ordre. Et ce n'est pas ce que j'ai demandé. Vous avez été en Terre Sainte ?
Certains en sont revenus en remettant en question leur foi et en se posant de nombreuses questions. Vous devez vous demander, Thomas, ce qu'il y a dans votre cœur. De la rébellion ou de la vengeance. Je suppose que ça ne fait aucune différence que le roi ait le diable en lui. Quand on parle du diable... Monseigneur, j'ai appris pour Darnay. Ah. Jean a pourtant donné sa parole. Il lève une saloperie d'armée avec les envoyés de Dieu. Je n'obéirai pas à un roi qui a du sang de poulet. Baron William d'Albany, frère Thomas Marshall, qui nous arrive directement du château de Darnay. Veuillez pardonner à notre baron, frère Thomas. Sa langue n'est pas toujours aussi profane. Mais il faut que vous sachiez que Rome s'est rangée aux côtés du roi. Et le pape pourrait approuver ce que le roi a fait à l'abbé Marcus ? Plus ou moins. Je vais me faire excommunier pour avoir rédigé la Grande Charte. Combien de temps avons-nous ? Dieu seul le sait. Votre grâce, ce roi, nous devons l'arrêter. Je ne peux en toute honnêteté vous demander de vous battre, Thomas. Mais si vous choisissez de prendre les armes, vous avez ma bénédiction. C'est un bon présage. Dieu est avec nous. Le prince Louis a une armée. Je pourrais peut-être le persuader de se joindre à nous. Aller demander de l'aide aux Français, c'est aussi aller se plonger dans la gueule du loup. Si Jean a l'intention de se rendre à Londres par Douvres, il devra traverser la rivière Midway ici, à Rochester. J'avais réquisitionné le château de Rochester. Et les retenir pour vous donner le temps de négocier avec les Français. Nous n'avons pas assez de force pour nous battre contre le roi. J'ai quelques hommes sur qui je peux compter. Je refuse catégoriquement. Le suicide est un péché aux yeux de l'Église, baron. Monseigneur, j'ai bien peur que les solutions soient minces. De Rochester, le roi peut déployer ses troupes et leurs approvisionnements dans tout le pays. Ce château est sa clé de voûte. Sans lui, nous ne pouvons rien empêcher. Tous mes péchés sont ici. Puisse Dieu nous protéger dans cette entreprise. Je veux que tu rebrousses chemin. Non, je sais me battre. Vous voyez comme il me parle ? Tu as déjà tué un homme, petit. Hein ? Tu apprendras que... qu'il n'y a rien de noble à cela. Même si c'est pour la liberté ? Même si c'est pour Dieu.
bonne tête, hein. Amusez-vous, les amis. Oui, allez, prends ça. Il n'a que ce qu'il mérite, ce voyage. Allez, je t'apprendra. Encore. Oui, encore. Celui qui ose lancer des excréments qui a bien se tenir, je l'attraperai et je triperai. Vous savez que je ferai. Vous me connaissez. Où est le boucher? Là-bas. Je cherche Daniel Marx. Attendez. Marx ! Quelle que soit la tâche ou ce que vous payez, je suis votre homme, baron. Parfait. Où est Delessy ? Il est rentré en Poitou. Beckett ? Vous n'en voudrez plus. Avoir besoin de protection. Debout. J'ai dit debout. Gros sac à merde. Billy ? Je vous avais dit qu'on se reverrait. Le cureton, qu'est-ce qu'il fait là? On va encore avoir affaire à Dieu? Celui-ci n'est pas notre homme. Quoi? Ça ira très bien. Vous avez pas à vous en faire. Si on paie assez, je tranche la gorge de n'importe quel homme. Pas vrai, Billy? Qui est avec vous? Gil Beckett, Daniel Marx. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était quand on était à Dieppe. Le roi était bon avec nous en ce temps-là. Il a pris les châteaux le long de la côte. S'il s'empare de Rochester, il contrôlera tout le sud de l'Angleterre. Si les rumeurs ne sont pas fausses, il est déjà trop puissant. Il a une armée de mercenaires danois. Vaut mieux l'attendre à Londres. Vous croyez que j'ai envie de me battre? Je ne suis plus un soldat. Je ne suis qu'un baron. Je ne suis qu'un pauvre marchand qui se fait mener par le bout du nez par sa femme et ses filles. Malheureusement, avec lui, ça ne durera pas. Je suis désolé, baron, je ne marche pas. J'ai entendu parler des croisades. Est-il vrai que vos épées ont une inscription? Béni est omnipotente et le guerrier du Christ? Peut-il nous servir? Est-ce que tu as des remords? Mes couilles! Libérez-le. Amen! Wulfstan. Beckett. Oh.
sale fils de pute, Beckett. Ça, c'est vrai. Vous ne tiendrez pas le château avec ces rigolos. Ils ne sont peut-être pas à la hauteur de votre croix, mais ils tiendront le château. Pas pour l'Angleterre, pas pour Dieu, mais pour moi. L'hiver va arriver. Alors, si je ne suis pas là pour les premières chutes de neige, conduis ta sœur chez votre tante et donne-lui ceci. Hmm? Sois vaillant. Et soyez poli. Est-ce la vérité qui est écrite là-dessus? C'est moi qui ai écrit ce message, sire. Tiberius, envoyez 6 de vos plus rapides éclaireurs à Rochester et ordonnez-leur de s'emparer du château et de tuer quiconque s'y trouve déjà. Une bourse. Tu connais ces hommes, mon brave? Alors qu'est-ce que ça fait de toi? Un être sans valeur. Le voici! Il paraît petit vu d'ici. Ce petit château contrôle toutes les terres que vous pouvez voir. Un peu de patience, écuyer. Moi, tant qu'il y a des femmes. J'apporte un message de l'archevêque Langton. Isabelle, nous avons de la compagnie. Je vous l'ai déjà dit pourtant, je ne tolérerai pas que vous buviez. Vous ne tolérez jamais rien. Monseigneur, des hommes vous demandent. Je ne tolère que la politique de notre roi, Isabelle. Notre alliance a été faite pour protéger nos terres et nos richesses, et il serait agréable que vous n'oubliez pas ce détail. Il nous possède corps et âme. Ouvrez les portes, laissez-les entrer! J'avoue que je ne vous attendais pas, baron d'Albany. Pourquoi diable l'archevêque vous envoie-t-il ici? Nous venons réquisitionner le château au nom de la rébellion. Si votre but est de réquisitionner le château, baron, vous arrivez trop tard. Bon.
drôle de sel. Danoise. Comment ça? Ils sont danois. Ils sont arrivés hier soir. Les éclaireurs du roi sont là. Le roi est à moins d'un jour de marche. Aux, fais venir la garde, vite. Celui-ci était au château de Darnay il y a deux jours. Écoutez-moi. Par ordre de l'archevêque, nous réquisitionnons ce château au nom de la rébellion. La rébellion est terminée. Le roi a dûment signé la Grande Charte. La Grande Charte? Celle qui a été scellée par la main du roi? À présent, il fait exécuter toute personne qui a osé la soutenir. Est-ce que le pape est au courant que l'archevêque de Canterbury réquisitionne les châteaux royaux contre le roi Jean? J'ai vu trois de mes frères se faire tuer de la douce et noble main de notre roi, et ses meurtres se perpétuent dans tout le pays. Et il agit avec la bénédiction du pape. L'armée française ne va pas tarder à nous rejoindre. Elle nous apportera un nouveau roi. Un vrai roi. Baissez les herses. Fermez toutes les portes. Dépêchez-vous! Hawks, plus personne n'a le droit d'entrer. Très bien. Eh bien, Marshal, nous l'avons, notre château. Quelles sont vos forces, capitaine? Nous avons 11 hommes armés. On se retrouve à moins de 20. Personne n'a jamais fait de brèche dans ces murs. Est-ce que cette porte a une herse? Tout à fait. Très bien. Une fois baissée, personne ne peut entrer. Et pour l'eau, où est-ce qu'on la puise? On a de la chance, elle nous vient de la rivière. On ne meurt jamais de soif. Elle est bonne. Elle n'est jamais saumâtre. Elle est excellente. Guy, viens avec moi. Ces murs ont été construits pour être défendus avec un homme par poste. La vue est parfaite. On aperçoit quiconque a des lieux. Bon, allons voir le corps de garde. Toi, de jour ou de nuit, tu restes en alerte. Ouvre la herse. Quel est le problème ? Il n'y a pas de fossé.
Ça ira. Et quand l'ennemi approche, frappe-le bien. Vas-y, entraîne-toi. J'ai dit frappe-le bien. Allez. Ils vont venir. Les Français. Nous les avons attendus à Damas. Ils ne sont jamais venus. Oui, mais pour les Français, Rochester est moins loin que Damas. Vas-y. Faut y aller avec plus d'ardeur, petit. Ou tu seras mort avant qu'ils arrivent. Il déteste les femmes. Rien que les regarder est un péché. On pense que certains vénèrent le diable, des célibataires au cœur de pierre. Moi aussi, j'ai un cœur de pierre, Maddy. Allons, je ne parlais pas de cela. Un templier doit offrir sa chasteté au Seigneur, mais une épouse ne fait qu'en souffrir aux côtés de son mari. Les envies de mon mari ne tiennent pas compte de moi. Que la Vierge Marie en soit louée. J'avoue que je suis intrigué, Albany. Comment se fait-il que ce soit vous, vous et vos amis, qui soyez si concernés par cette rébellion? Nous sommes là pour aider le peuple. Oh, je vois que votre écuyer est assez habile dans l'art de la naïveté. Continue. Traitez-moi de naïf si vous le souhaitez, mais le peuple mérite mieux qu'un roi qui le traite comme des animaux. Oh, belle parole pour un écuyer. As-tu lu la Grande Charte, petit? Je comprends que tu ne sais pas lire le latin. Oh, comme c'est dommage de parler lorsque l'on est ignorant. Argumentum ad ignorantiam ab uno disque omnes. Ça, c'est du romain. Et qu'un seul de vous apprenne à les connaître tous. Excusez l'insolence de mon épouse. Beckett, tu vas te poster sur le mur le plus éloigné. Guy ne saurait le défendre tout seul. Vas-y toi-même. Quoi? Tu veux un verre? Une femme? Ne la joue pas hautain avec moi. J'ai bien voyagé et j'ai vu ce que toi et tes saints frères ont fait. Vos bondieuseries me rendent malade. Beckett. J'ai deux mots à vous dire. Je vais aller protéger le petit. Mais qui me protégera, moi? Attendez mon commandement! Ils sont là!
Allons voir quels sont les rats qui occupent mon château. Albany, un mot. Vous ne pouvez pas engager une bataille avec le roi sans avoir eu des mots courtois. Ils veulent nos têtes sur des pics. Est-ce assez courtois pour vous? Je pense qu'il y a des gens ici présents qui ne souhaitent pas ce conflit. Mais pour qui êtes-vous donc, Cornil? Le roi ou votre pays? Nous ne pouvons pas être tous les deux dans l'erreur. Attendez les gens! Préparez toutes les armes! Tenez-vous prêts! Ils sont là. Albany! Albany! Comment c'est-il? Que pouvons-nous faire pour vous, Jean? Baron William de Albany, le pape m'a autorisé à récupérer toutes mes terres. Vous n'allez sûrement pas barrer l'entrée à votre roi, ni à l'église. Le pape sait-il que vous avez signé la charte où vous accordez la liberté au peuple d'Angleterre et qu'à présent vous revenez sur votre parole? L'Angleterre est à moi, Albany. Dieu a voulu que ces terres soient à moi, et le pape a donné sa bénédiction. Alors le château de Rochester est à moi! Vous n'êtes pas plus roi que les furoncles de mon derrière! Mon Dieu, qu'il est assommant. Allez chercher toutes les épées! Relevez-vous un peu! Relevez-vous un peu! Restez bien à vos postes. Et n'oubliez pas, ils doivent escalader ces murs. Et pas nous. Alors tenez bon. Vous avez déjà affronté autant d'hommes à la fois. Ah, n'oublie surtout pas, tu défends ce mur, hein. Allez, va à ton poste. Albany! Marchez!
Debout. Tu l'as frappé vaillamment. Derrière toi. Regarde. À l'attaque. Avec courage. Vous n'avez pas tout vu.
Comment trouver la paix après ce que nous avons fait? Garde de la foi. Seuls les faibles pensent que ce qu'ils font au cours d'une bataille fait d'eux ce qu'ils seront demain. Baron Albany, en moins d'une journée, vous avez réussi à détruire tout ce que j'avais apporté aux habitants de ce château. Oh, fichez-moi la paix. Vous avez tenu à mener ce combat en faisant de nous les otages de votre cause, car nous sommes contre votre rébellion. Et ceci n'est pas simplement un château. Ceci était ma demeure. Réparez vos dégâts en vitesse. Ferme la porte. Mettez-le là-bas. Attendez. Attendez. Il perd beaucoup de sang. Sur la table. Non, attendez. Il faut arrêter les saignements. Je vais tirer très fort. Y a rien de cassé, mais... Continue, allez, allez, continue! Il faut bien nettoyer. Restez près de lui. Templier! Votre coup. Attendez! Venez vous asseoir. Si ça n'arrête pas de saigner, je mettrai une ceinture autour de votre cou. Ma servante m'a dit que vous ne pouviez pas regarder les femmes. Quel est votre nom? Dois-je comprendre que votre vœu de silence ne concerne que les femmes? Je m'appelle Thomas Marshall. C'est fini. Combien de vœux sacrés avez-vous brisé en faisant cette révélation ? Très différent des autres. La rivière lui sert de défense et ses remparts.
n'exige que très peu d'hommes. Ne m'insultez pas, capitaine. Je connais les qualités d'un château normand. Ce qui me cause de l'énervement, c'est comment plus de 1000 hommes ont pu échouer si misérablement contre une vingtaine. Ces hommes se sont battus vaillamment. Et pourquoi ? Un bout de rocher dans un champ. Contournons-le. Mon arrière-arrière-grand-père a fait construire ce rocher lorsqu'il a conquis ce pays. Stratégiquement, il fortifie Londres et contrôle tout le sud de l'Angleterre. Pourquoi croyez-vous qu'ils auraient choisi cet emplacement, sinon ? Qu'est-ce qui ferait le plus plaisir à votre peuple, capitaine ? Que vos hommes meurent dans une grande bataille ? Ou que l'Église, pour vous récompenser, n'essaie plus d'aller conquérir les terres qui sont à vous ? Car c'est ce que le pape m'a promis si nous gagnons. Maintenant, aussi petit que puisse sembler ce rocher, le reste du pays en dépend. Vous voyez clairement quelles sont ses intentions. Je le dis à chacun de vous. La nuit est assez noire pour permettre à celui qui le souhaite de s'en aller. Et je le comprendrai. Je crois qu'il est vexé, Baron. Qu'en dites-vous, Marx ? Je l'ai eu à vos côtés, à Angoulême. Et celle-ci, c'était aux abords de Toulouse. Mais chaque fois, on s'en est sorti. Que croyez-vous que je fais ici ? Je ne prends pas l'argent pour partir. Monsieur Phipps, vous et vos hommes, êtes-vous prêts à combattre ? Nous sommes tous les six. Avec vous, Baron. Ah. Je vous ai vu avec le Templier. Je pense que vous occupez ses pensées. Je me moque bien d'occuper ou non ses pensées. Il a une attitude qui n'est pas normale. Ce sont ses manières. Il regarde, mais sans parler. Et lorsqu'il parle, cela m'indispose. Il devait être bien différent avant de devenir Templier, ça, j'en suis persuadée. Gente dame. Quoi ? Cela fait beaucoup de pensées pour une personne qui vous indispose. Ils construisent quelque chose. Vous pensez que c'est quoi ? Votre ingénieur royal, sire. Ça va fonctionner ? Il n'y a pas de fossé, alors... Pas de fossé, pas d'excuses. Finissez-le. Je veux que tout soit prêt dès demain matin. Je vous présente mes excuses pour ce que je vous ai dit. Je faisais erreur. Que va-t-il se passer pour nous ? Pour nous tous ? Ils vont attaquer à nouveau. Et nous résisterons à nouveau. Et les Français débarqueront avec une armée pour nous soutenir. Vous croyez vraiment qu'ils viendront ? Ne mentez pas, Thomas. En tout cas, pas pour protéger les Français. Et surtout pas à moi, ce n'est pas la peine.
Cela enfreint les lois des Templiers. Bien. C'est ce qu'on pourrait dire, oui. Posez votre épée. Il vaudrait mieux que j'apprenne à m'en servir. Doit-on la tenir ainsi? Si vous voulez que votre ennemi vous transperce. Je combats. Pour que vous n'ayez pas à le faire. Une tour de siège. Ils la construisent très vite. Nom de Dieu. Baron, ça y est, j'ai une idée. Qu'est-ce qui se passera si ça ne marche pas? Demande pas. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Écuyer. Est-ce que tu pourrais tuer une femme? Jamais. Même si en le faisant, tu sauvais son âme? Jésus-Marie-Joseph, regardez ça! Sa Majesté est prête, monseigneur! Le prince Louis est toujours en France. Comment, il y est encore? Il prend le temps de négocier, ce qu'il paraît. Négocier, oui, bien sûr. Le roi tyrannise l'Angleterre. Le pape prend son parti et déclare que la Grande Charte est une hérésie. Et la France a envie de négocier. Y en a-t-il encore qui veulent se battre? Quelques-uns. Mais nombreux sont ceux qui ont cru la rébellion finie quand Jean a signé la Charte. En définitive, c'est la chose la plus intelligente qu'il ait faite. Bon, ce qui est fait, est fait. Laissons Rome parler à tort et à travers si ça leur fait plaisir. Ils n'ont pas le monopole de la parole de Dieu, si je ne m'abuse. Je pars pour la France sur le champ. Rassemblez tous ceux que vous pourrez. Et préparez Londres à la guerre. Et Rochester? Le baron d'Albany? Prions pour son salut. À couvert! Excellent, excellent. Allez, plus vite. Ils ont construit une catapulte? Yeah!
bande de misérables putains! Non, ne notez pas ça! Pourriture! Boudage! 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 Quel bâtard, ce roi Wulfstan. Oui. Après cela, le roi ne revint plus. Mais les pluies déferlèrent. Les jours raccourcirent et l'automne se transforma en hiver. Ils avaient trop froid pour se battre et aussi trop faim. Les réserves du château commençaient à manquer et ils durent se mettre à manger les chevaux. Sauf un. Celui de Marshall. Un templier n'a pas le droit de manger son cheval. Son ordre lui intime de le faire mourir au combat. Bientôt il ne resta que 13 âmes affamées et un cheval. Ils attendaient. Tout comme le roi. Il pouvait sentir sa nourriture et entendre les chants de son armée. L'usure est l'allié de l'un et la malédiction de l'autre. Ils devinrent donc maudits et les semaines se transformèrent en mois. Leurs esprits commencèrent à s'égarer dans des endroits là où l'homme ne voit que le doute et n'a plus aucune valeur. Le jour des noces, je savais que mon mariage serait sans amour. Mais j'ai quand même prononcé mes vœux. J'ai honoré et respecté mes engagements depuis lors. Vous croyez que nous sommes différents, Thomas. Mais vous faites erreur. Je meurs de faim! Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Quelqu'un va bien finir par faire quelque chose? Écoutez-moi! Au diable, vos vœux de Templier! Ce sont mes vœux qui ont fait de moi ce que je suis. Et c'est mon ordre qui m'a amené ici. Et par la grâce de Dieu... Ce seront bien des Templiers qui vous sauveront la vie. Où est-ce que vous allez? Pourquoi est-ce que vous partez? Pourquoi est-il parti? Gente dame, vous étiez en sa compagnie. Vous a-t-il dit ses intentions? Allez dans votre chambre. Allez. Non. Allez-y!
S'il revient, je veux bien embrasser un cul d'évêque. En attendant, tu vas devoir embrasser celui d'un roi, Beckett. Parce qu'il revienne à la charge. C'est Thomas ! Allez, chercher ! Vite, Beckett, aidez-le ! Les sacs ! Dépêchez-vous ! Vite, vite ! Ils sont tous prêts ! Fermez la herse ! Qu'est-ce qui t'a pris, Templier ? Il a été volé la nourriture royale ! Je n'avais jamais vu une chose pareille ! Bouche ! Bouche ! Même mon gosse ! Vous êtes relevé de votre commandement, capitaine. Remontez sur votre ridicule bateau et rentrez chez vous. Je ne partirai pas sans mes hommes. Oh, mais si ! Et je vais vous dire pourquoi. Notre pape vient de changer d'avis. Que voulez-vous dire ? Je veux dire que lorsque votre pathétique petite armée arrivera près de chez elle, elle trouvera vos terres christianisées, vos fils asservis par l'Église et vos femmes servant un nouvel époux. N'aviez-vous pas parlé au pape de mes terres ? Pourquoi, au nom du ciel, aurais-je fait cela ? Prenez ce château, Tiberius ! Parce que sinon... vous voguerez vers un monde bien différent. Eh bien, Marshall, vous nous avez choisi un bon morceau de jarret. C'est meilleur que ces pauvres chevaux. Moi, ce que je préfère, c'est le cochon. Et quoi encore ? Je te mangerai, toi. Oh ! 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 Alors, écuyer, tu sais lire les mots. Et tu sais écrire. Votre nom en entier ? Chedidia Cotteral. Chedidia Cotteral. Chedidia Cotteral. Je l'avais encore jamais vu écrit. Non.
C'est trop calme. Va sur l'autre rempart. Restez tranquille. Le donjon, il faut le protéger. Vous n'allez pas mourir. Toi, tu ne dois pas mourir. Reste en vie, tu entends? Et tiens le donjon. Allez, vite! Thank you.
c'est fini. Défendez, marche. Il faut tenir bon. Marche. Mon château agréable. C'est au peuple, ce château, pas à vous. Vous avez dit qu'il était mort. Pour ces deux-là, vous leur couperez les mains et les pieds. Non. 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 Baron, ce donjon est à moi et je veux le récupérer. Mon commandement ? Non ! Ils ne se rendront jamais ! Vraiment ! Coupez ! Faites quelque chose ! On tient le donjon. Moi, je le conchis, votre saleté de château! De meurtrier, soyez maudit! Ne suis-je pas votre roi? Vous trahissez tout ce qui fait de l'homme un vrai roi. Vous trahissez Dieu! Moi, je trahis Dieu! Ma couronne, je l'ai héritée de mon cher frère et elle lui venait de notre bien-aimé père. Je suis venu au monde pour devenir roi. C'est un droit de naissance qui m'a été octroyé par Dieu. Vous pleurez pour le commun des mortels et dans le même temps vous maudissez la couronne qui protège cet homme-là. Vous osez remettre en question mon règne, ainsi que la lignée des nobles rois qui ont régné avant moi. La grande lignée éternelle des rois d'Aquitaine, qui ont libéré ces terres des hordes barbares. Ils les ont rendues nobles et purs, qui ont instauré l'ordre. Et même restaurer la foi, pour des milliers d'années, la foi de ces loyaux sujets, tout ceci est remis en question par vous. Vous qui m'avez forcé à signer votre précieuse charte, j'ai été obligé de signer à un pauvre marchand de laine. Je suis le sang, je suis la main droite du Seigneur. Vous ne me dicterez jamais de quelle manière je dois me comporter en tant que roi.
Maintenant, baron. Avec laquelle de vos mains avez-vous osé me toucher? Veuillez immobiliser sa main. Immobiliser sa main droite. Tu ne devrais pas regarder ces choses-là. Ordonnez à vos rebelles d'ouvrir les portes, Albany! Non! Ne vous rendez pas! Pas de reddition! Mettez l'autre main à plat! Allez! Allez-y! Nous tiendrons, baron! Nous tiendrons! On passe au pied! Qu'on lui coupe le pied! Cornil! Vous allez vous rendre à votre roi! Ou Dieu m'en est témoin! Votre tête sera sur une pique! Maintenant, ce monstre qu'ils ont fabriqué, accrochez son cadavre dessus! Accrochez-le bien! Envoyez-le au loin! Envoyez-le! Personne ne va nous venir en aide. Les éclaireurs signalent que les Français ont quitté Calais. Ils seront sur nous dans quelques jours. Saviez-vous qu'un jour, alors que j'étais enfant, j'ai osé secrètement manger une des pêches préférées de mon bien-aimé père? Le lendemain, il a fait venir devant moi une jeune servante qu'il a accusée de ce crime. Il l'a obligée à poser sa main sur la table, ensuite il a sorti son couteau. Il l'a châtié violemment. Cette nuit-là, ne pouvant contenir ma honte, je lui ai avoué que c'était moi qui l'avais volé. C'était son fils qui avait commis le crime. Vous savez quelle est la réponse qu'il m'a faite? Il a dit « Oui, je sais. Je sais. » Et c'est pour cela que je n'ai coupé que son petit doigt. Vois-tu, Jean, toute action contre le trône se doit d'être punie sans aucune pitié. Car il n'y a aucune autre manière de pouvoir perpétuer le pouvoir absolu d'un roi. Thank you.
quand ils viendront, vous devez demander à voir le roi. Je ne veux rien de cet homme. Pas même sa pitié. J'ai rompu mon vœu, Isabelle. J'ai trahi la confiance de Dieu. Nous avons commis un péché. Arrêtez de vous cacher derrière vos vœux et vos commandements. Ce sont des vœux qui parlent de loyauté, d'abstinence et de meurtre, mais... pourquoi pas d'amour, Thomas ? Les vœux de l'ordre protègent mon âme du sang que j'ai pu faire couler au nom de Dieu. C'est donc l'Église qui vous a fait faire toutes ces choses. Ce sont les Templiers qui vous ont donné une épée pour la brandir au nom de Dieu. Ce sont les Templiers qui ont fait de vous un tueur. Qu'étiez-vous avant de les connaître ? Qu'y avait-il de si mauvais en cet homme pour qu'on le fasse résister au désir ? Thomas. Je ne suis pas un péché. Si ! Si ! Votre ingénieur, sire, le tunnel est prêt. Ça va marcher ? Je le crois, il est juste sous les fondations. Prenez note. Au Premier ministre, envoyez-moi 40 porcs, les moins comestibles. Je les veux sur le champ. Allez, dépêchez-vous. Il y en a encore ? Allez, continue. Assez. Où est-ce que vous allez ? Je vais aller plaider notre reddition. Non ! Quelle autre issue avons-nous ? Nous tenons. Nous tenons pourquoi ? L'arrivée des Français, ils ne viendront pas. Il faut négocier. Non ! Nous avons prêté serment. Serment ! À Albany ! À l'Angleterre ! Votre serment est sans valeur. La grande charte est sans valeur. L'Église a tout annulé. Et tout ce qui se passe ici n'a pas de raison d'être. Non, 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 non. Arrête, écuyer. Beckett. Ton petit écuyer a essayé de décapiter le vieux. Beckett, lâche-le maintenant. Guy. Écarte-toi de cet homme. Tout de suite. Sinon quoi ? Vous allez me tuer ? Guy. Silence ! Le baron d'Albany a donné sa vie pour ce en quoi il croyait. Qu'est-ce que vous avez donné, vous ? Espèce de lâche ! Il n'y aura point de salut à cette histoire. Nos âmes sont damnées à jamais. Vous n'êtes pas un lâche. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai appris à écrire mon nom. Comment t'as fait ? Maître Guy m'a appris. Ça te fait une belle jambe. Dis-moi, pourquoi tu as tant de colère ? Ça fait tellement longtemps, je sais même plus pourquoi.
C'était sûrement ce qui t'a maintenu en vie. Je crains que cette fois, on s'en sorte pas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est des cochons. Pour les faire brûler. Les faire brûler? Ils creusent un tunnel sous le château. Le port, c'est gras. Ça brûle. Avec une chaleur insoutenable. Allez, avant! Vieille garde, hule! Oh! 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 Mettez-les dedans! Voilà, ça y est, ils sont tous là. On a un plus gros problème. Allez! Entrez là-dedans! Allez! Dans la chapelle. Fonce! Dame Isabelle! Je ne veux pas refaire la même erreur. Allons voir. Je vais les retenir.
Combien est-ce qu'on paye pour ces folies? Environ 5 shillings. Moi, j'ai payé qu'une putain. S'ils arrivent à passer, tu dois tuer les femmes. Non. Dis-le. Non. Dis-le! Je tuerai les femmes. Votre foi à présent, Templier. Vous n'avez qu'à vous approcher de moi. Et je vous montrerai. Et toi, notre frontière! Attache! Oh,
Vous avez combattu vaillamment. Est-il noble de tuer ? Une vie à se battre pour les autres est une vie qui vaut d'être vécue. Ça, c'est une noble cause. Français pour porter la couronne d'Angleterre. C'est une décision très difficile à prendre. Tout autant que la vôtre. Vous allez donc quitter l'ordre, Thomas ? Vous avez mérité votre liberté bien plus que tout autre. Monseigneur. Allons. On a tenu. En moins d'un an, la rébellion avait triomphé. Durant sa fuite pour sauver sa vie, le roi Jean mourut de dysenterie. Ce qui restait de son trésor ne fut jamais retrouvé. Plus tard, le grand donjon de Rochester fut reconstruit et il se dresse toujours de nos jours. Tout comme ce noble rêve que fut la Grande Charte.